Bonjour, dans la vidéo du jour, j'aimerais voir avec vous, enfin découvrir en même temps que vous, la contrepointe de la marque One Way. Alors, la marque One Way, je ne vous explique pas en règle générale, si vous êtes dans le milieu du tournage, vous en avez déjà entendu parler. Par contre, cette contrepointe est assez particulière, pas mal de capacités, donc j'aimerais bien voir en fait pourquoi elle est si particulière. Voilà, ouvrons ça ensemble. Alors, ça ne se verra pas à la vidéo, mais il y a quand même un sacré poids. Bon, on voit quand même que c'est plutôt des beaux matériaux, de beaux usinages, chromés. Donc on amorce deux, bien sûr. Pour répondre, enfin pour pouvoir être adapté à la majorité des tours aujourd'hui. Alors là, c'est une contrepointe creuse. Et ici, on a donc sa petite pointe de centrage. Alors, je ne vois pas de blocage dessus, donc ça doit être conique. Voilà. Et je présume que ça s'éjecte avec cette tige. D'accord. Alors, je vais re-ranger cette pointe pour pas la perdre. Donc là, on a eu la creuse. C'est l'anneau avec la pointe de centrage et là on a contrepointe de type classique là. D'accord. Ici ça doit être pour hop bloquer. Voilà, ça se dévisse. Voilà. Alors, dernier composant. J'aurais dû la laisser bloquer. Ça doit être en fait pour soutenir sans marquer sur la pièce. Donc c'est assez particulier, je trouve que c'est pas quelque chose que j'emploie parce que je ne l'avais pas, mais je pense que dans certaines situations on a juste besoin d'un soutien pour éviter que la pièce flotte ou pour avoir du poids un peu appuyé dessus, ça peut être effectivement être très très intéressant. Donc en fin de compte, cette contrepointe, c'est quatre contrepointes en une. Je pense qu'on a fait, là on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà, on a regardé un petit peu les composants donc de l'ensemble qui vous est livré avec cette contrepointe. Alors, qualitativement parlant, sincèrement, c'est largement au-dessus de ce qui se trouve dans le commerce sous d'autres formes, d'autres marques, bien que je ne connais pas d'autres ensembles de ces types. D'habitude, ce sont des contrepointes creuses ou annulaires ou à 60 degrés. D'accord? Donc, un ensemble aussi complet, c'est quand même assez unique dans son genre. La partie tournante est dirigée donc sur deux roulements graissés à vie. Pas de raison que ce ne soit pas d'une durabilité extrême, surtout que ça n'a aucune résistance, frottement ou bruit suspect. Aucun fonctionnement aucun défaut de fonctionnement qui permettrait de dire qu'il va y avoir des vibrations ou quoi que ce soit. D'ailleurs, leur communication est quand même faite sur le principe que tous les composants, tous les usinages
tous les traitements de surface sont effectués de façon à réduire au maximum l'apparition de vibrations. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de la contrepointe. Nous, on va la mettre à l'essai. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit ou sur un autre, vous pouvez aussi nous contacter directement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.